Eh bien, chers auditeurs, bonjour. Eh bien, effectivement, le festival Jazz sur les Places n'est pas que des concerts. C'est également un énorme marché aux disques de collection. Où sont vendus essentiellement des disques vinyles, hein, des disques de collection. Il faut savoir, c'est que à Lyon, sur des places publiques, il existe déjà des petits marchés aux disques. Mais nous, l'idée, c'est d'avoir un très grand marché aux disques où l'on réunit que des professionnels. Professionnels, parce qu'en fait, nous tenons à ce que ce marché reste de qualité. Or, les gens viennent de partout, hein. On a des marchands qui viennent de Paris, de Bordeaux, cette année de Nantes, de Nice. Alors, il faut savoir également, c'est que tous les genres sont confondus. On n'est pas obligé de vendre des disques de jazz. On peut proposer du rockabilly, du blues, même du classique, si les gens le veulent. Alors, parallèlement à ça, nous avons créé un marché aux instruments de musique. Donc là, on t'invite à venir, les facteurs d'instruments de musique, les luthiers ou même simplement les revendeurs, hein. On accueille tout le monde. On a également un marché au plaisir gourmand. Alors là, par contre, ce sont les papilles que l'on veut titiller. Et là, on accueille des producteurs de produits artisanaux, des vignerons, etc., etc. Alors par contre, cette année, on va essayer d'innover parce qu'on aimerait faire venir également des artistes, des créateurs, des peintres ou que sais-je, qui auraient un artisanat tourné autour du jazz. Donc ça peut être des tableaux, des créations, que sais-je. Hein. Voilà. Alors ce marché a lieu durant 2 jours, donc le samedi et le dimanche. Donc cette année, ça sera le 17 et le 18 septembre. Eh bien écoutez, qu'on se le dise et soyez bien les bienvenus à tous. Alors bien entendu, pour les badauds, l'entrée est entièrement gratuite. C'est comme pour le festival. Et voilà, ben, chers auditeurs, à très bientôt.